Hello à tous. Alors, on va aller là voir le message qu'il y a. Avant tout, je vais aller regarder avant les cartes. Et puis après, on va prendre les cartes, voir si c'est sur la même vibration ou s'il y a autre chose. Mais parce qu'il y avait quelque chose d'assez important qui parlait de restructurer, besoin de restructuration dans un domaine ou plusieurs domaines. Comme si en fait le manque de structure empêchait de voir les choses s'épanouir. Peut-être que ça part dans tous les sens, qu'il y a des. En fait, on ne fait pas suffisamment attention, on n'est pas assez vigilant et on oublie de checker deux, trois points et ces oublis-là vont finir par faire comme une fuite d'énergie, quelque chose qui va vous faire perdre du temps au final. C'est peut-être quelque chose que vous omettez de faire au démarrage. Pensant que ça va vous prendre du temps et au final ça vous en fait perdre de pas l'avoir fait, d'avoir cru que vous alliez gagner du temps. Ah, c'est pas super simple ce que je viens de dire. Bref, en gros, un truc qui t'aurait pris 2 minutes de check, ok, de vérification, t'as eu la flemme et maintenant ça t'a fait perdre carrément du temps. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc là, il serait important pour certains d'être vigilants, de remettre un petit peu de structure dans votre façon de faire. Ça, c'est le premier point. Il y a des gens aussi, ce qu'on vous dit, et ce qui ne serait pas idiot, c'est de penser à écrire les choses. Il y a vraiment des gens qui ont besoin, et c'est tout con, et c'est peut-être la clé pour certains, c'est que si vous restez ici, ça vous fait une espèce de charge mentale qui ne s'arrête jamais. Qui vous fatigue en plus de fou. Et l'idée, c'est presque de faire comme une to-do list, quoi. Vous prenez, vous notez, même si c'est en haut de votre agenda, genre, sur la journée, genre, il y a 2 petits trucs à faire. Ben, ces petits trucs à faire, ils sont importants, il va falloir les faire. Donc arrêtez d'ajourner, arrêtez de remettre à plus tard, arrêtez de procrastiner, hein, d'une certaine manière. Mais vous allez beaucoup moins procrastiner à partir du moment où vous allez poser. Il vous faut écrire. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Pour certains, c'est tout con. L'écrire, le voir quelque part. De la même manière que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens qui ont des projets qui restent ici. À partir du moment où, je sais pas, tu peux te coller des post-it, tu vois, sur ton mur, sur ce que tu veux. Et tu marques, voilà, j'ai envie de faire ça, j'envisage ça, j'aimerais créer ça. Et quand bien même c'est un projet de vacances, on s'en fiche complètement. L'idée est que ça, je suis en présence de gens qui partent dans tous les sens. Je sais de quoi je parle. Ok? Donc il y a vraiment besoin de structurer, besoin d'écrire, besoin de poser les choses quelque part. C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment des gens qui ont besoin de bouger, d'aller explorer des choses, des gens qui ont besoin de se rapprocher de l'eau, pour qui ça ferait du bien, de se rapprocher de l'eau, qui ont besoin d'aller nager, qui ont besoin d'aller au contact de la mer, au contact d'une piscine, au contact d'un lac ou d'une rivière, peu importe. Ça vous fait du bien. Il y a quelque chose là-dedans qui déjà fait du bien à votre corps, mais à votre esprit, c'est indéniable. Y a une forme de douceur, d'apesanteur, de fluidité, de... Voilà. Il y a quelque chose aussi au niveau émotionnel qui peut se passer pour certains dans l'état liquide, ok? Ça vient chercher des mémoires qui, alors tout le monde ne va pas adhérer, mais enfin bon, mémoire intra-utérine, ok? Donc qu'est-ce qui a été vécu, ressenti par votre mère quand vous étiez dans son ventre? Donc du coup, bah, vous l'avez également ressenti, vécu au travers de ces émotions et de ces ressentis physiques. Et ça, vous pouvez le recontacter et vous pouvez, comment dire, il y a un travail dessus qui se fait doucement au travers du contact de l'eau. Donc, tant mieux si c'est doux, justement. Il y a des gens qui ont des buts. Bon, ok, des buts, on en a tous, hein.
On sait très bien que le but n'est pas le truc ultime. C'est comme, peut-être qu'on veut me ramener ici au surrender qui parle de attention au fait d'être attaché au résultat. Il y a quand même tout un process qu'il faut accueillir, qu'il faut accepter, qui nous amène au résultat. C'est pas la manière de l'enfant qui est là et qui veut tout de suite gagner la compète. Et on est plein d'adultes à être comme ça, à vouloir se dire ouais, bah, je vais faire ça parce que je suis sûre que ça va le faire. Puis on veut tout de suite que ça fonctionne, mais à fond, tu vois. Alors que bah, tu peux avoir des ratés, tu peux te prendre les pieds dans le tapis, tu peux mal t'exprimer, tu peux, tu vois. C'est pas forcément au premier coup que tu vas gagner. Mais par contre, t'entraîner, ça peut être gagnant. Tu vois, il y a un process qui fait que plus tu vas répéter l'exercice, plus tu vas t'entraîner pour aller vers ce que tu souhaites, et meilleur tu seras, même si au début les autres seront meilleurs que toi, c'est pas très grave. Puis quand bien même t'as pas besoin de te comparer, on s'en fout. Il y a des gens qui ont peur d'être au tapis, tu vois, il y a vraiment des gens qui ont peur de se ramasser sérieusement la gueule, hein. Comme une vieille mémoire. Alors là, je vais aller regarder. De quoi avez-vous peur, mes chers petits? Mes chers petits, mes chers amis. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez peur d'être au tapis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être? Beaucoup de conflits, il y a des choses que vous êtes en train de conscientiser, qui sont en train de s'apaiser par rapport à des conflits passés ou des conflits présents que vous avez besoin d'apaiser. Parce que en fait, c'est comme si vous voyez les conflits d'un autre œil, vous voyez les conflits d'une autre manière. Vous avez un regard sur des choses passées qui va changer. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous rentriez en réaction, pourquoi vous rentriez en conflit dans la défensive ou dans l'attaque. Vous allez sans doute capter des choses sur vous qui sont hyper importantes et intéressantes pour vous ici. Wow, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Alors, c'est en lien avec une vie antérieure, avec notamment une histoire aussi passée. Alors, comment dire, il y a peut-être quelqu'un que vous aimez actuellement avec qui vous avez un petit package d'avant dans cette vie-là ou dans d'autres vies selon vos croyances. Qui sont en train de processer. Ok. Vous avez vraiment envie de vous laisser aller à davantage de plaisir, davantage de bonheur, mais c'est comme si avant vous ne pouviez pas y accéder. Ça vous demande des choix à faire et ça vous angoisse terriblement. Il y a vraiment des gens qui sont angoissés à l'idée de choisir le bonheur. Un truc de fou. Et du coup, vous ramenez votre énergie vers vous, vous ralentissez, ça vous fait. Quand ça vous fait flipper, vous avez l'impression que vous avez peur d'être aspiré par une tornade, quoi. C'est peur d'être happé par quelque chose. Mais on vous dit, il y a quelque chose qui va s'apaiser par rapport justement à une épuration sur les vies antérieures. Il y a eu beaucoup de tristesse, sans doute liée à des conflits avec cette personne à laquelle vous pensez, qui serait peut-être en lien sur des vies passées. Quelqu'un avec qui vous avez un lien, avec laquelle vous avez été dans une vie antérieure. Ok, on vous demande. Je pense à quelqu'un à qui j'ai fait une guidance perso, là. Ça reparle pour toi, hein. Donc, bon, bref. Et puis, bon, c'est pour le collectif, là. Si ça parle à certaines personnes, vous prenez pas sinon. Mais ancrez-vous, parce que ce qui vous a rendu malade, est-ce que ce qui vous fait peur d'être au tapis, c'est qu'il y a eu sans doute conflit, rupture, séparation dans le passé et dans une vie passée où vous avez eu le sentiment qu'on vous a presque enterré vivant, qu'on vous a oublié. Ok? Vous étiez comme si vous étiez dans le noir total. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'avec cette personne, alors ça parlera pas à tout le monde vraiment, essayez de ne pas vous identifier si c'est pas le cas. L'idée, c'est pas de se raconter des films, ok? Ça peut être enfermant de se raconter des films. Mais pour ceux à qui ça va parler, il y a eu avec cette personne à laquelle vous pensez là, dans cette vie, ici, ok? Ok, dans votre vie d'adulte, ou c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être d'avant d'être adulte, j'en sais rien. Où votre âme
D'accord, votre enfant intérieur. Je parle bien de là, au niveau du cœur. On ne parle pas de là ou de ailleurs. Hein, a su de manière immédiate, il y a eu une évidence avec cette personne. C'est-à-dire que ça a été tac-tac, ok ? Une espèce de reconnaissance et une évidence. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de place au mental, il y a un choc de reconnaissance, ok ? Et cette personne-là, vous avez un lien extrêmement fort qui a été par ailleurs souffrant, d'accord ? Tout un tas de blessures sont réactivées à l'idée d'être oublié de cette personne, à l'idée d'être séparé de cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, hein, mais vous avez peur d'être au tapis, c'est-à-dire que vous avez peur que ça vous ramasse complètement. Peut-être que dans un vécu antérieur, je ne parle pas de cette vie, il y aurait eu quelque chose de vraiment dramatique, ok ? Mais par contre, on parle bien de gens pour qui il y a eu une évidence des deux côtés. Ok ? Après, ça peut être le bordel intégral, mais à la minute de la reconnexion s'est faite en même temps. Il y a quelque chose qui vous protège à réaliser le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, qui a une grande épuration certainement en ce moment, et que vous êtes en train de devoir faire des choix pour aller vers le bonheur. Ça vous fait flipper, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous fait flipper, notamment dans le fait de réaliser quelque chose aussi qui puisse marcher, et par rapport à vos familles et vos proches. Vous avez peur que ce soit mal perçu, ok ? On vous demande d'accueillir ça, de pardonner à l'avance les gens qui pourraient le penser et de vous pardonner à vous-même de je ne sais pas quoi, mais il y a une notion d'acceptation ici. Hein. Ça va vraiment vous amener une paix intérieure sur des doutes que vous avez, vous êtes un peu perdu depuis un certain temps et ça fait que votre corps en souffre. Donc voyez comment ça... Il y a un truc de passage à l'action qu'il va falloir accepter parce que ça pousse fort, ok ? Ça pousse très fort, on vous dit vraiment fort, imminent, ok, ça parle très fort. Il y a un truc à régler avec la famille et c'est ok. Tiens, je vais juste regarder juste 2 secondes. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui va pouvoir être communiqué au point de vue familial, qui va faire du bien parce que pour l'instant ça stagne, mais il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas lutter et cette rencontre vous fait travailler votre amour de vous-même également. Hein, c'est hyper important ça. C'est quelque chose qui vous redonne confiance en vous. Mais pour le... à l'heure actuelle, vous avez peur de l'échec cuisant, de machin. Mais il y a des choix à faire pour aller vers le bonheur qui vous font flipper. Mais par contre, on vous dit, vous êtes protégé, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pitié, attention, 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 attention. Je mets des gros attention. Ok ? Parce que on peut vite se penser dans des relations... de reconnexion forte, de liens forts. Il y a beaucoup il y en a beaucoup parce que on a besoin de travailler sur nous et ça aide beaucoup à faire ça. Mais là, je parle vraiment de personnes qui ont eu une reconnexion évidente des deux côtés. Donc, voyez si ça vous parle. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est bon. Est-ce que j'ai un conseil à aller chercher ? Ayez du courage. Ayez du courage, ça va bien se passer. Je veux dire, c'est... Bon, évidemment, vous prenez, hein, mais ou pas. Mais de ce qui était là dans le tirage, ça va bien se passer. C'est challengeant, ça bouscule dans le slip un peu. Mais c'est une question d'éveil avec le dos de deck ici. Mais qui demande du courage, qui demande... voilà, c'est cette reprise de confiance en soi. Et c'est cette idée qu'à un moment donné, tu sais que l'abondance, elle est là. Tu sais qu'il y a des trucs à débloquer. Et t'es devant, quoi. T'es vraiment devant. Donc, go. T'as du stress, c'est pas grave. La prise de conscience va t'aider à bastonner tes jugements, bastonner ta morale, aller vers ta guérison et cette abondance qu'en plus tu souhaites depuis très longtemps. Ok ? Et que tu sens, 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 que tu sens. Donc, go on. Ok ? Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Merci pour votre
écoute, votre partage, les commentaires que je lis systématiquement, parfois avec un peu de retard. Merci pour les abonnements, c'est un vrai soutien pour la chaîne, hein, faut pas, voilà, quand même. C'est comme ça qu'elle vit, la chaîne. Moi, je vous retrouve très vite ici, sur Instagram, en guidance perso, et ça, c'est sous la vidéo. Et je vais reprogrammer des ateliers parce que c'est vraiment un trop gros kiff pour moi. Merci à vous. Bisous.